Bonjour à tous. Donc voilà, Sylvain Conchon. Donc je viens du LRI, ce laboratoire de recherche informatique à l'Université Paris-Sud, et je suis également membre de l'équipe Toccata de l'INRIA Saclay. Alors aujourd'hui, donc je vais vous présenter SMT en pratique, c'est-à-dire voilà, pendant plusieurs années, j'ai développé un démonstrateur SMT qui s'appelle AlterGo, et je vais essayer d'expliquer là en 1 heure ce qu'on a fait depuis à peu près une petite dizaine d'années. Alors, je vais juste revenir sur quelques petites choses que Gérard a dites tout à l'heure. Lors d'une conférence, il y a quelques temps, j'avais entendu un chercheur, qui doit être Roopak Majumdar, parler de SMT, la révolution SMT. Et alors, juste pour fixer un peu quoi, à quel moment sont apparus ces solvers SMT et comment ça évolue aujourd'hui. Donc, d'abord, c'est quelque chose qui est assez ancien, hein, puisque dans les années 70, on avait ce Stanford Pascal Verifier, dans lequel il y avait la démonstration automatique derrière. Et puis, une date qu'il faut retenir, 84, l'algorithme de Shostak, dont je vais reparler dans cet exposé. Juste pour retenir que, voilà, en 84, c'était déjà, je pense, au SRI, Stanford Research Institute, on s'intéressait à tous les algorithmes de combinaison de procédures de décision, bref, de solver SMT. Et en 92, tout à l'heure tu parlais de Simplify, donc j'ai noté, moi il me semble que ça date à peu près de 92, même si la personne qui a fait Simplify, Greg Nelson, avait probablement démarré bien plus tôt ce démonstrateur. Ensuite SVC, ICS, donc ICS c'est pareil, c'est fait au Stanford Research Institute, SVC ça va être aussi l'université Stanford, CVC Lite jusqu'en 2004 c'était aussi Stanford. Donc déjà c'est beaucoup l'ouest des États-Unis. Et puis il n'y en avait pas tant que ça finalement, voilà, il y en a quelques-uns, 6 ou 7 jusqu'en 2004. Et à partir de 2004 ça s'est complètement accéléré. Et là, on voit de nombreux démonstrateurs SMT arriver sur le marché. Alors, j'ai laissé en rouge ceux qui vivent encore, donc qui sont maintenus. Et donc, nous, on voit qu'on a commencé AlterGo en 2006. Z3 en 2007, même si Z3, et en fait, la personne qui l'a faite, c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé sur IACS avant et qui avait déjà. Enfin, il y a plein d'équipes, en fait. Beaucoup de ces solvers qui sont faits par des gens qui avaient une grosse expérience de la démonstration automatique. Voilà, donc ça s'est accéléré. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça s'est accéléré, elle est vraiment à relier au monde SAT, en fait. C'est-à-dire que l'explosion des SAT solvers, l'efficacité des SAT solvers date à peu près des débuts des années 2000. Et là, on a cherché de plus en plus à combiner SAT avec des théories parce que les SAT étaient devenus beaucoup plus efficaces. Voilà, c'est donc pour resituer simplement où était AlterGo dans tout ça. Alors, il y a plein de solvers SMT, il y en a quand même un certain nombre, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y en a en fait très peu qui gèrent, on va dire, un ensemble important de théories. Il y a beaucoup de solvers SMT qui vont être dédiés à une ou deux théories. Par exemple, vous avez en 2008 Boulector, pour citer un solver, qui lui va s'intéresser au calcul propositionnel plus les bits vecteurs, par exemple, ou MatSat qui s'intéresse à SAT plus des procédures de décision sur l'arithmétique. Mais quelque chose d'assez complet, il y en a beaucoup moins. Alors, d'où est né AlterGo? Je vais tenter d'expliquer pourquoi on appelle ça un démonstrateur SMT dédié à la preuve de programme. C'est assez historique en fait. Moi, quand je suis arrivé à Orsay, je suis arrivé dans une équipe où les gens s'intéressaient depuis plusieurs années à la preuve de programme. Qu'est-ce que la preuve de programme? Alors, j'ai un petit exemple hein, pour situer simplement. Un exemple qui m'a été donné par Jean-Christophe Filliat de l'équipe qui fait Y3. Donc, un vieil exemple de preuve de programme, c'est Turing en 49 qui voulait vérifier une petite routine qui est ici, là, et qui calcule la factorielle sans faire aucune multiplication. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette procédure, ce n'est pas tellement le propos, mais je vais essayer de faire sentir, disons, l'intérêt de ces procédures, de ces programmes, de ces preuves de programme, et en quoi elles sont reliées du coup à AlterGo et au solver SMT. Donc, si vous voulez faire la preuve que ce petit programme calcule la fonction factorielle, vous pouvez, en général, dans Y3, vous ajoutez une précondition que n est positif, enfin, postcondition, vous voulez montrer que u égale à fact de n, avec une certaine axiomatisation de la fonction fact. Pour faire la preuve qu'un calcul de WP, il faut ajouter des invariants. Ici, il y a deux invariants de boucle qui disent que dans la première, U c'est fact de R, et dans la deuxième, que U c'est S fois fact de R. Et si on prend ce programme, qu'on le donne à Y3,
par un calcul donc de WP, de weakest précondition, il va simplement calculer une formule logique qui doit être vérifiée pour s'assurer que le programme calcule effectivement la fonction fact. Alors je l'ai transparent d'après, voilà la formule. Donc tout en haut, on a la fonction fact ici, on a deux axiomes qu'il axiomatise, et puis ici on a une formule logique à prouver. D'accord, cette formule logique vient précisément donc de ce calcul de WP qui remonte la pose condition et qui parcourt tout le programme, qui regarde les invariants, qui dit voilà, il faut prouver cette formule si vous voulez vous assurer que le programme calcule effectivement la fonction fact. Alors, on peut faire une petite démo rapidement. J'appelle l'outil Y3 sur ce petit programme Turing. Alors, le programme Turing, je vais essayer de zoomer. Toc. Voilà, donc là, vous retrouvez le petit programme Turing, ici. Il y a une formule à prouver. Donc, si je clique ici, donc là, j'ai le code source. Si je clique ici, j'ai effectivement la formule hein, qui est écrite dans une syntaxe propre à Y3, mais on retrouve grosso modo la formule à prouver. Et donc, qu'est-ce que l'on fait après ? Alors, on peut tout simplement cliquer sur un prouveur, et si c'est vert, ça veut dire que le prouveur a prouvé cette formule, c'est ce que AlterGo vient de faire. Donc, ça, c'était notre objectif, ça a toujours été notre objectif, c'est on écrit un programme, on écrit donc sa spécification aussi simplement que je l'ai mis sur le transparent, j'appuie sur un bouton, ça doit être prouvé automatiquement. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, regardons cette formule, c'est exactement ce qu'on a fait en gros vers les années 2005-2006. On a dit, mais de quoi a-t-on besoin pour prouver ce genre de formule ? Donc, on s'aperçoit qu'on a besoin, bien sûr, de savoir traiter les opérateurs propositionnels, le et, le ou, l'implication, etc. On a besoin d'un petit peu d'arithmétique, ici. On a également besoin de fonctions, comme l'a rappelé Gérard, de symboles de fonctions. Ici, le symbole de fonction fact n'a pas de sens. Le sens est donné, évidemment, par ces deux axiomes. Mais de cette manière-là, on ne peut rien dire de plus que fact, que c'est un symbole non interprété. Voilà. Donc, essentiellement, c'est de là dont on est parti. On a dit, voilà, il nous faut quelque chose, un solver qui sache donc manipuler, traiter de manière relativement efficace ces trois composants essentiels. Donc, traiter la structure propositionnelle, savoir combiner des procédures de décision. Ici, nous, on a donc l'égalité sur symbole non interprété. On a également un petit peu d'arithmétique linéaire. En fait, on a besoin d'un petit peu d'arithmétique non linéaire également pour cet exemple. Et surtout, donc, traiter des quantificateurs. Parce que si je reviens rapidement quand même sur la tâche qui est donnée ici à AlterGo, en fait, si on regarde un tout petit peu le source code, on s'aperçoit qu'en Y3, voilà, on dit que pour faire la preuve de cette routine, on va importer un morceau de la théorie des entiers, des choses sur la fonction fact, des choses sur des références, qu'on a un programme qui manipule des références. Bref, si on regarde le contexte, ça c'est le but à prouver. Mais si on regarde le contexte, en fait, vous voyez, ça, c'est tout le contexte, tous les axiomes ici qui sont donnés en fait, à AlterGo. AlterGo doit faire la preuve de ce programme modulo tous ces axiomes. Eh bien, bien sûr, on a plein de formules avec des quantificateurs. Donc, voilà. Donc, c'est le point de départ d'AlterGo, c'est d'avoir au minimum ces trois ou quatre composantes. Alors, si je donne l'architecture générale de ce démonstrateur, eh bien, on va dire qu'on a un front-end, c'est-à-dire un mélange de parseurs et de tipeurs, rien de bien palpitant pour le moment. Mais surtout, on a donc cette boucle principale où on retrouve nos trois composantes, c'est-à-dire un solver SAT pour traiter la structure propositionnelle de la formule, une ou une combinaison de procédures de décision, et puis un algorithme dont on va parler plus en détail après, qui va gérer les formules avec quantificateur. Donc ça, c'est la boucle principale. AlterGo passe tout son temps dans cette boucle avec une interaction entre ces trois composantes. Alors, qu'est-ce qu'il y fait dans cette boucle principale ? Je rappelle ce qui a été dit tout à l'heure par Gérard, que vous voulez prouver la validité d'une formule, donc ça veut dire que vous vous intéressez à l'insatisfiabilité de la négation de cette formule.
Et donc, la première chose, en fait, le chef d'orchestre dans ce démonstrateur, c'est le SolverSat, qui va donc se contenter, pour un moment, de traiter la structure propositionnelle de la formule. Donc, il va construire, comme l'a montré Gérard, un modèle booléen. Ce modèle va essentiellement donc être une conjonction de littéraux. Pour lui, les littéraux, il ne saura pas ce que c'est, mais au final, ça va être une conjonction de littéraux. Et régulièrement, et ça va dépendre des démonstrateurs SMT, il doit vérifier son modèle en l'envoyant à la procédure de décision. Encore une fois, quand je dis la procédure de décision, on peut voir comme la combinaison de procédure de décision, mais pour le SAT Solver, c'est une boîte noire, c'est juste quelque chose qui arrive à comprendre l'intégralité de ces littéraux. Et alors, ça, c'est donc quand il trouve, il construit son modèle. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces formules avec ses axiomes? Parce que vous avez une hypothèse, par exemple, qui est une formule quantifiée. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver précieusement, de manière à part, les axiomes qu'il a rencontrés. Donc, dès qu'il rencontre une formule avec un quantificateur, il la stocke à côté. Et il se contente, pour l'instant, de chercher son modèle booléen. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si le SAT a réussi à construire un modèle qui est donc satisfiable donc modulo théorie. C'est-à-dire qu'il a construit un modèle booléen, il l'a proposé aux processeurs de décision, et les processeurs de décision ont dit « Ok, ce modèle, il est satisfiable, modulo arithmétique, modulo égalité. » Alors, c'est une mauvaise nouvelle, hein, puisque vous voulez absolument prouver l'insatisfiabilité de la négation de F. Et en fait, si le modèle, pour l'instant, est satisfiable, c'est qu'on a peut-être besoin d'instancier les axiomes qui ont été conservés précieusement par le SAT. Donc on a à notre disposition un ensemble d'axiomes, donc de formules quantifiées universellement, et ce que l'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle donc un tour de matching, de filtrage. On va essayer de trouver de nouvelles instances de l'EM, d'axiomes existants. On va réinjecter ces axiomes, ces instances, dans le SAT, en espérant que ces instances vont nous permettre de contredire le modèle qui a déjà été construit par le SAT. Et comme ça, on va donc essayer de reconstruire un modèle plus enrichi, bon, qui va essayer de satisfaire ces nouvelles instances. Si elles sont encore satisfaites, on fera un deuxième tour pour essayer de créer de nouvelles instances, etc. etc. Voilà. Donc c'est vraiment c'est là où on passe donc, dans cette boucle. Je construis un modèle. Ce modèle est satisfait par ces procédures de décision. Zut, j'instancie mes LEM. Je les redonne au SAT, qui reconstruit un modèle, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est la boucle principale de AlterGo et aussi des principaux démonstrateurs SMT qui manipulent les formules avec quantificateurs. Alors, un petit exemple. Donc, si vous avez cette formule, vous avez deux variables i et j de type int, vous avez la formule suivante, j est égal à 0 et 3i égale à j moins 1 ou f, avec le symbole non interprété, f de i moins 1 plus petit que 2j, et pour tout x de type int, f de x positif. Donc la première des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le SAT va construire un modèle de cette formule, encore une fois, en faisant abstraction de ce que veulent dire ces littéraux. Par exemple, il peut construire un modèle qui dit j égale à 0, j'ai supposé ça vrai, forcément, et puis dans cette clause, eh bien, j'ai supposé ce littéral à vrai. Donc là, et comme j'ai vu également, je dois satisfaire cette formule, j'ai vu une formule avec quantificateur, je la stocke dans mon petit paquet d'axiomes. À partir de là, donc, je vais interroger la procédure de décision pour savoir si cette conjonction d'axiomes est satisfiable ou pas, sachant que i et j sont des entiers. Là, on tombe sur la procédure de décision qui nous dit « Non, ce n'est pas possible. Ton modèle n'est pas satisfiable modulo la théorie des arithmétiques sur les entiers. » Bon, donc ça force, via le mécanisme que Gérard a rappelé de learning, c'est-à-dire on va dire ce qui ne va pas dans ce modèle, on va lui renvoyer la clause qui précise ce qui ne va pas. Mais donc, ça veut dire qu'on va le chercher à forcer un autre modèle. Et là, donc, il peut très bien dire, bah, je prends ça, et je prends f de i moins 1 plus petit que 2j. Du coup, si j'interroge ici la procédure de décision, et bien la procédure de décision va dire sat. Mais comme je cherche un sat, je suis coincé. Et c'est là qu'arrive l'utilisation, qu'on peut utiliser donc nos axiomes. À partir de ce moment-là, il faut que je trouve ici une instance de cet axiome qui pourrait me contredire ce modèle. Alors évidemment, sur cet exemple, ça peut paraître évident, mais sauf que cet axiome, il dit juste pour tout x de type int, f de x positif. Avec quel int? Avec quel x vais-je pouvoir instancier cet axiome? Alors on va essayer de voir comment on a fait ça dans AlterGo, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut essayer bien sûr de prendre une instance qui est f de i moins 1, donc pour x, on prend i moins 1, on génère f de i moins 1 positif,
Et à partir de là, on rajoute ça, bien sûr, à la formule de départ. Du coup, le SAT va reconsidérer cette formule, va reconsidérer son modèle, il va ajouter évidemment cette formule dans le modèle. Là, on arrive sur quelque chose de unsat, ben, peut-être qu'il faut une nouvelle instance alors. Alors, on pourrait perdre notre temps, essayer de voir si oui ou non il faut une nouvelle instance. On pourrait passer, en fait, probablement notre vie entière à se dire bah, peut-être qu'il faut, je sais pas, x doit être égal à 14, 42, que sais-je, ou i moins 36. Bref, on pourrait passer une autre vie, mais il faut à un moment donné peut-être savoir s'arrêter. Oui. C'est pas une SAT. J'ai peut-être fait une typo. Alors, j'ai peut-être oublié un strictement. Oui, c'est un strictement, pardon. Je fais une typo, pardon. Oui, c'est bien, Jean, merci. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de décrire. Okay, c'est, le but du jeu, c'est d'implémenter cette boucle. On a besoin de, bien sûr, raisonner sur ces littéraux, sur ce modèle, comment on fait. Alors, il y a plein de techniques pour ça. On a implémenté des choses dans AlterGo et d'autres ont implémenté d'autres choses. Donc, voilà. Comment je gère efficacement, surtout, ces quantificateurs. C'est quand même un des points les plus délicats de ces démonstrateurs SMT. Donc un petit peu plus de détails. Bien sûr, je ne vais pas présenter l'intégralité d'AlterGo dans cet exposé. Je vais présenter, donc, il y a plusieurs mécanismes en fait, de combinaison de procédures de décision dans AlterGo. Je vais en présenter un. Je vais évoquer le principal et puis un tout petit peu sur les symboles AC, mais pas plus qu'un transparent, donc on va dire que ça compte quasiment pas. Je vais également parler surtout de la gestion des quantificateurs et quelque chose qui est aussi particulier à AlterGo, c'est que dans la syntaxe d'entrée d'AlterGo, on a du polymorphisme, c'est-à-dire que la logique d'entrée d'AlterGo, ce n'est pas la logique du premier ordre avec des types multisortés, mais c'est la logique du premier ordre avec des types polymorphes. Et donc, je dirai un mot là-dessus pendant cet exposé. Donc, sur le traitement d'égalité. Alors, rappelez-vous, j'ai parlé en 4... Tout à l'heure, j'ai évoqué dans la révolution SMT, là, j'ai parlé en 1984 de cet algorithme de Shostak. Donc voilà, depuis, à cette période-là, Shostak s'était déjà intéressé à comment je peux combiner deux procédures de décision qui sont très importantes pour la preuve de programme, qui sont, un, la théorie, la procédure de décision pour la théorie de l'égalité avec symbole non interprété, et deux, une autre théorie, en général, l'arithmétique. D'accord ? Comment le faire de manière la plus efficace possible ? Donc ça, c'est une méthode de 84, papier publié en 84, et que je vais essayer de résumer ici. Il faut juste savoir que cet article est complètement faux. Hein ? Article de 84, faux, c'est-à-dire la méthode est buggée, l'algorithme ne fonctionne pas, et il a fallu attendre très 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 longtemps, en fait, plus d'une quinzaine d'années avant d'avoir un algorithme qui fonctionne. Chose que, voilà, preuve que c'était pas si trivial. On voyait le problème de terminaison de l'algorithme qui n'était pas si trivial à prouver, et en tout cas à patcher et ensuite à prouver. Donc essentiellement un algorithme, une procédure de décision, a fortiori une combinaison de procédures de décision, c'est un algorithme qui prend... ici, on va parler d'une conjonction d'égalité dans le cas de Shostak, une conjonction de littéraux qui sont des égalités, où les termes UI, VI qu'on lui donne donc, peuvent contenir des symboles de fonctions non interprétées et des symboles d'une autre théorie. On va préciser de quelle théorie il s'agit. Et donc, on veut savoir si cette conjonction de littéraux est satisfiable ou non. Alors, les théories qu'on va combiner avec l'égalité libre, c'est des théories dites de Shostak. Alors, qu'est-ce qu'une théorie de Shostak ? Enfin, en 1984, on n'avait pas des théories de Shostak, hein, c'est après qu'on les appelait comme ça. Ce que Rob Shostak disait en 84, c'est que si une théorie vient avec deux fonctions, l'une que l'on appelle un canoniseur, donc je vais appeler ici canon de la théorie X, un canoniseur, c'est une fonction qui prend un terme dans la théorie et qui le met en forme normale. D'accord ? Là, j'ai donné un exemple pour l'arithmétique linéaire. Si vous prenez ce terme a plus 0 plus b moins a plus 1 plus b, vous pouvez le mettre en forme normale et c'est 2b moins 1. Donc, si la théorie vient avec cette fonction canon et qu'elle vient également avec un solver, qu'est-ce qu'un solver ? Ben, c'est une fonction qui va résoudre une équation. Donc, solve, vous voulez résoudre l'équation 2a plus 3b plus 3 égale à 0, eh bien, Solve va résoudre une équation, si elle a une solution, il va vous renvoyer la solution sous la forme d'une substitution. Substitution, bien sûr, dont les variables à gauche vont être des variables qui apparaissent évidemment dans la formule.
Et donc, si vous avez, il y a plusieurs théories qui sont équipées en fait de canoniseurs et de solveurs. À l'époque, déjà en 84, Shostak bien sûr avait identifié l'arithmétique linéaire, où on peut, avec un simple pivot de Gauss, avoir un solveur. La fonction de canonisation est assez simple. On avait également des canoniseurs et des solveurs pour des théories sur la structure de paires ou d'enregistrement. Également sur les bits vecteurs, alors un fragment des bits vecteurs avec des opérations, une opération d'extraction, une opération de concaténation sur les bits vecteurs. Voilà, donc il y a plusieurs théories comme ça qui ont des canoniseurs et des solveurs. Et donc l'algorithme de Shostak, c'est comment je fais pour prendre, on va dire, un pour l'instant, un canoniseur et un solveur, et le combiner avec la procédure de décision de l'égalité, puisque c'est ça dont il s'agit. Sachant que la procédure de décision sur l'égalité, on en a parlé, on a cette histoire de... En gros, on a derrière une structure union fine pour représenter la relation d'équivalence, qui est l'égalité, et un mécanisme pour passer à la congruence, c'est-à-dire que quand on détecte que x est égal à y, alors f de x est égal à f de y. Alors évidemment, là, je fais ça assez grossièrement, hein, c'est-à-dire qu'il y a impossible de prouver quoi que ce soit, enfin de prouver que ça, c'est un algorithme qui fonctionne. Mais en fait, le principe de l'algorithme de Shostak, c'est d'arriver à mélanger d'une manière assez subtile l'utilisation de ce canoniseur et de ce solveur, de la théorie X, avec l'application des substitutions qu'il renvoie sur le reste de la procédure. Et voilà. Alors, donc, essentiellement, on peut le voir de manière assez simple, ce que va faire cet algorithme, c'est qu'il va maintenir un dictionnaire. Un dictionnaire qui va associer aux termes, sous-termes qui apparaissent dans le problème, qui va associer leurs représentants. Donc, on va dire que c'est une sorte de structure, encore une fois, union fine, d'accord, une façon d'implémenter donc des classes d'équivalence. Et on va maintenir un dictionnaire qui va dire voilà, tel terme à tel représentant, tel terme à tel représentant. Voilà. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va prendre égalité par égalité, on lui donne un ensemble d'égalités, on prend une égalité. Et quand on prend une égalité, la première chose que fait l'algorithme, c'est qu'il va utiliser le canoniseur de la théorie pour déjà mettre en forme normale, modulo la théorie, les termes U et V qui ont été donnés dans cette égalité. Donc on obtient deux termes, U' et V'. Et puis ensuite, il appelle le solveur de la théorie qui va lui, s'il y a une solution, envoyer une substitution. Et à partir de ce moment-là, il va appliquer la substitution au représentant de la table, donc au représentant des classes d'équivalence, et il va les recanoniser, il va éventuellement réappliquer les substitutions. Donc là, je fais ça avec les mains, parce que en fait, c'est là où, évidemment, où est le problème, c'est si on fait ça bêtement, on n'est pas complet, et si on fait une boucle un peu toute bête, bah, on ne termine pas. D'accord ? Donc il faut, voilà, c'est assez subtil. Mais essentiellement, donc, c'est un mélange de canonisation, d'application de solveur et d'application de substitution. Je fais un petit exemple. Supposons que j'ai cette équation f de a moins a égale à 0 et f de 2a moins f de a est égal à b. Donc au départ, je prends ma table, les termes et sous-termes qui apparaissent dans le problème, on a 0, on a B, on a A, on a 2A, F2A, etc. Et au départ, le représentant, c'est eux-mêmes. D'accord ? Donc chacun dans sa classe d'équivalence. Et donc je traite la première égalité, F2A moins A égale à 0. Alors, je traite cette égalité, là je dois en principe mettre sous forme normale F2A moins A et 0. Si j'applique le canoniseur, il ne va rien se passer, les termes vont rester comme ils sont. À partir de ce moment-là, j'appelle le solveur de la théorie de l'arithmétique. Bien évidemment, pour la théorie de l'arithmétique, vous imaginez bien que f de a, ça ne veut rien dire, donc il va le prendre comme une boîte noire, si vous voulez. Hein. C'est une boîte noire moins a égale à 0. Et donc, il va rendre une solution possible à cette équation en disant bah, il y a une solution, et la solution possible, c'est que f de a doit être remplacé par a. Hein. Il comprend 0, donc il arrive à dire cette chose-là. Alors, pareil, la forme de la substitution que doit renvoyer le solveur n'est pas n'importe laquelle si vous voulez garantir que tout ça termine, bien évidemment. Mais je passe tout ça. Donc on a une substitution que l'on va donc appliquer à droite, donc partout où il y a f de a, on va traverser les termes et appliquer la substitution. Donc ici, partout où il y avait f de a, j'ai remplacé ça par a. À partir de ce moment-là, il faut bien évidemment, ici, on va recalculer des formes normales. D'accord ? 2a devient a, f de 2a moins a devient f de a. Okay. Donc je recanonise les représentants. Je peux réappliquer la substitution qu'on vient d'avoir. On avait f de a remplacé par a. Ah, j'ai encore un nouveau f de a, donc je remplace encore une fois et j'obtiens cette table-là. Je continue maintenant, je traite la deuxième équation. Deuxième équation, donc f de 2a moins a égale à b. Ben, si je regarde maintenant, si je canonise f de 2a moins a en fonction de ce que je sais, donc je canonise modulo tout ce que je sais, j'obtiens donc a égale b.
A égale B que je fais résoudre par le solveur, qui me donne B, par exemple, flèche A, et donc je vais remplacer B ici par A. Par exemple, on vient de deviner ici que ces deux équations impliquent, par exemple, que A est égal à B. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est, on va dire, donc, cette approche au stack en 84. Alors, donc nous, c'est la chose que l'on a utilisée dans AlterGo. Alors, donc j'ai dit que l'algorithme était buggé, il a été débuggé un petit peu plus tard. En fait, il y avait plusieurs choses dans ce papier. La première des choses, une des choses importantes dans ce papier, c'est que, tout à l'heure, j'ai dit donc, c'est la combinaison donc, de quelque chose qui va traiter les symboles non interprétés avec une théorie. Une théorie. La question essentielle, c'est comment je fais pour avoir plusieurs théories, parce que je vais avoir des littéraux qui vont parler d'actes arithmétiques, de bits vecteurs, etc. Et Shostak, en 84, a évacué immédiatement le problème en disant, c'est très facile, vous prenez deux canoniseurs, un pour la théorie des bits vecteurs, l'autre pour la théorie de l'arithmétique, et ben, je suis certain qu'on peut mélanger les deux et faire un canoniseur pour l'union des deux théories. Si je sais mettre en forme normale, voilà, je saurais faire, dans chaque théorie, je saurais faire la forme normale pour les deux théories. Et le solveur, même chose, il a dit, si je sais faire résoudre une équation dans la théorie A et une équation dans la théorie B, je pourrais faire l'union des deux solveurs. Alors on pourrait se dire que toute la méthode tient quand même sur ces deux axiomes. D'accord ? Et ça, c'est complètement faux. Sauf que ça n'a été prouvé qu'en 2003. Donc voilà, donc c'est un papier qu'on a fait avec Savakrisi, qu'on a pu montrer qu'en fait, les canoniseurs, on savait les combiner, mais que les solveurs ne combinaient pas. Alors du coup, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que vous avez utilisé Shostak dans le cadre d'AlterGo ? En fait, on l'a utilisé parce que Shostak, la logique qu'il manipule, c'est une logique sans sorte, c'est la logique du premier ordre. Et il se trouve qu'effectivement, dans la logique sans sorte, ça ne combine pas. Mais nous, on est dans une logique sortée, donc on a des types, et là, par contre, on a... Probablement, on n'a jamais fait la preuve, mais on a probablement l'union des solveurs. D'accord ? Donc en pratique, on n'a jamais tombé sur un problème de complétude. De toute façon, sur un problème, c'est un problème de complétude. Donc voilà. Donc on utilise cette méthode parce qu'elle est quand même assez efficace, assez simple d'utilisation. Les autres méthodes dont Gérard avait parlé, c'était senti un petit peu dans les données de transparence, et si j'avais la théorie de l'arithmétique, si j'avais la théorie des symboles non interprétés, il y avait cet échange, cette espèce de ping-pong entre « Ah, j'ai découvert une nouvelle égalité, ah, tiens, je te la donne. Ah, j'ai découvert aussi une égalité, tiens, je te la donne. » Donc il y a une espèce de, dans cette méthode de combinaison qu'on appelle de Nelson Open, qui date à peu près donc, des années 80 aussi, hein, c'était à peu près donc, un petit peu avant Simplify. Donc ça, c'est une technique beaucoup plus générique, mais qui nécessite, hein, quand vous avez une théorie, à l'instancier, à modifier la théorie pour qu'elle génère toutes ces égalités impliquées, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors que là, on fait ça un petit peu différemment. En fait, les égalités, elles sont aussi propagées, mais c'est un peu automatique à travers les applications des substitutions. Voilà. Donc ça, c'était juste pour situer rapidement le noyau de la méthode, une des méthodes de combinaison que l'on utilise. On utilise par ailleurs aussi Nelson Open dans d'autres parties du démonstrateur. Alors, maintenant, ce dont je voudrais parler le plus dans cet exposé, c'est du traitement des axiomes. Un exemple typique, c'est, je donne dans cette syntaxe, qui est la syntaxe d'entrée d'AlterGo, je définis par exemple un symbole, un prédicat, LE, donc sans aucune, pour l'instant, autre interprétation que ça. Il s'appelle LE, il prend deux entiers, et c'est donc une proposition. C'est un prédicat. Et puis, donc, je définis trois axiomes. Un axiome qui dit que LE est réflexif, transitif et antisymétrique. Et donc, ça, c'est typiquement des axiomes qu'on peut donner à AlterGo. Et donc, la question qu'on va... on va pouvoir essayer de se prouver des buts comme tiens, j'aimerais prouver que si 2 est normalement plus petit que 5, 5 est plus petit que 10, alors 2 est plus petit que 10. Ce qui va nécessiter donc l'application, l'utilisation de ces axiomes, par exemple de transitivité, etc. Ou un autre but, comme pour tout A, de type in, si A est plus petit que 5, que 5 est plus petit que 8, que 8 est plus petit que A, alors A est égal à 5. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez typique, à la fois en prof de programme, on a beaucoup de choses qui ressemblent à ça, et donc c'est ce genre de choses qu'on veut traiter efficacement avec AlterGo. Donc, la question est... j'ai dit tout à l'heure que durant la phase de preuve, le SAT solver, à un moment donné, avoir un modèle satisfiable, il va falloir trouver un ensemble d'instances, d'axiomes, pour essayer de contredire le modèle. Donc la question, c'est comment les trouver, ces instances ? Donc comment trouver les bonnes instances, d'accord, pour prouver un but ?
Et comment aussi limiter le nombre d'instances qui est potentiellement prohibitif. Réponse, en utilisant des heuristiques. En tout cas, c'est comme ça que nous, on fait dans AlterGo, c'est comme ça que les quantificateurs sont traités dans les 3-4 démonstrateurs SMT qui manipulent des quantificateurs. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ces heuristiques. Mais il y a deux ingrédients principaux pour traiter ces quantificateurs. Le premier, c'est que pour guider ou pour restreindre la création de nouvelles instances, on va utiliser ce qu'on appelle des motifs, ou on appelle ça des triggers. Donc on va dire, vous allez voir dans un instant, tel axiome pourra être utilisé seulement de telle manière, et c'est un motif qui va nous permettre de dire ça. Et on a un deuxième élément essentiel qui est une base de données de termes connus, de termes clos, connus, de termes donc sans variables. Alors je vais essayer de rentrer dans les détails un petit peu. Donc si on pense au petit axiome-là, donc on a trois symboles PQR, trois prédicats sur les entiers, et on a un axiome qui dit que pour tout x de type int, donc p de x ou q de x implique r de x. Alors, bien sûr, on pourrait dire, je vais créer quelles instances de cet axiome créer ? Je pourrais dire, dès que j'ai pour n'importe quel entier, je vais créer une instance de cet axiome. Évidemment, là, si vous commencez à faire ça, ça va vite exploser. Du coup, on peut se dire, non, je vais essayer de créer des instances de cet axiome et de les restreindre à ce qu'on appelle donc, ce motif P de X. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans mon problème à prouver, c'est dans la formule à prouver, j'ai des termes de la forme P de quelque chose, P de 4 par exemple, alors j'aurai le droit d'instancier cet axiome parce que j'ai un P de quelque chose dans mon problème. Donc j'ai P de A, donc j'ai le droit de créer l'instance P de A ou Q de A implique R de A. Si je n'ai pas de P de A, je n'ai pas d'instance. Donc si vous dites le motif de cet axiome c'est P de X, c'est que vous dites qu'il n'y a que quand on connaît un terme de la forme P de X que l'on peut instancier cet axiome, sinon on ne l'utilise pas. Évidemment, c'est fortement incomplet, hein, ça va sans dire. Et aussi la question, c'est mais c'est quoi ces termes connus ? D'où ils sortent ces termes connus ? Pourquoi on peut dire qu'on connaît P de 4 ou P de 42 ? En fait, connus, ça veut dire qu'ils sont dans le modèle SAT, le modèle que le SAT Solver a construit. Il y a plein de littéraux dedans qu'il a soumis à la procédure de décision. La procédure de décision a dit que c'était satisfiable. Et donc, on regarde le modèle, il y a des termes qui apparaissent, et c'est seulement sur ces termes-là qu'on aura droit de faire d'instancier le solver. OK ? Donc, alors évidemment, il y a un effet immédiat, hein, dès lors qu'on dit, tiens, OK, c'est une façon d'utiliser ces axiomes, il y a un effet immédiat qui est que, si par exemple, vous dites que, enfin, AlterGo calcule automatiquement, parce que c'est ce qu'il fait, hein, il calcule des motifs pour ces lemmes, il dit, ça c'est le motif, c'est P de X pour utiliser ce lemme. Bien sûr, les motifs doivent au minimum couvrir les variables quantifiées universellement. S'il y avait deux variables x et y, il faudrait un motif, un terme ou un sous-terme qui couvre x et y. S'il n'y en a pas qu'un, il en faut plusieurs termes. Mais il faut couvrir toutes les variables. Donc, si on dit que le motif pour cet axiome, c'est P de x, et que vous voulez prouver P de 1 implique R de 1, impeccable. Le SAT solver va supposer P de 1, il va ajouter non R de 1, puisqu'on prend la négation de cette formule non R de 1 dans le contexte. Mais comme il y a P de 1 dans son modèle, comme le motif c'est P de X, on va pouvoir créer l'instance qui convient et donc on va pouvoir montrer cette formule. Si par contre vous voulez prouver que Q de 2 implique R de 2, avec le motif P de X, évidemment ça ne va pas être possible. Heureusement, dans AlterGo, lorsque AlterGo calcule les motifs, il se permet de calculer non pas un motif mais une liste de motifs. Alors après, il peut y avoir différentes heuristiques sur cette liste de motifs, mais bref, il essaye de faire un calcul de trigger, donc de motifs suffisamment intelligent pour pouvoir à la fois restreindre ces axiomes, mais en même temps qu'ils soient quand même utilisables pour prouver nos buts. Donc ces triggers sont les choses essentielles. Ils sont tellement essentiels, en fait, qu'on a été obligé, c'est ce que d'ailleurs le format de la logique SMT, donc j'ai rappelé qu'il y avait une compétition SMT, il y a un standard également mondial qui s'appelle SMT2 aujourd'hui. Dans la logique SMT2, vous retrouvez ces annotations de triggers. C'est-à-dire que, quelquefois, l'algorithme de recherche de triggers n'est pas suffisamment malin, il calcule soit le nombre de triggers est restrictif, soit il est au contraire trop large, on va devoir instancier abondamment ces instances, ces axiomes. Donc on laisse à l'utilisateur, par exemple dans AlterGo, avec ces crochets ici, vous pouvez préciser que pour utiliser cet axiome 2, et bien qu'il y a deux variables x et y, les motifs sont f de x et q de y. Ce qui veut dire, c'est quand vous avez un terme de la forme f de quelque chose dans votre base de données, donc du SAT, et vous avez un q de quelque chose, alors vous pouvez instancier ce lemme.
Il y avait d'autres triggers possibles. On aurait pu prendre P de F de X comme motif, par exemple, ou R de X, etc. D'accord ? Donc, c'est tellement important que les concepteurs, par exemple, des outils comme Y3 ou comme F Sharp ou autres, qui vont attaquer, donc ils vont envoyer des formules au démonstrateur SMT. Les formules qu'ils envoient comprennent en particulier des tas de théories qu'eux-mêmes ont créées, hein, des modèles mémoire pour le C ou que sais-je. Et tous ces axiomes que les concepteurs de systèmes comme Y3 ou autres ont créés, ils connaissent parfaitement ces axiomes, ils savent comment il faut les utiliser, et donc ils guident le solver SMT en précisant, grâce à ces triggers explicites, la manière dont il faut, utiliser ces axiomes. Quelquefois, ils laissent faire le solver, mais quelquefois, ils en mettent explicitement pour améliorer grandement les performances. Alors, bon, du coup, dans l'architecture d'AlterGo, j'avais une petite boîte donc matching. Donc c'est que le SAD solver, qu'est-ce que fait le SAD solver ? Eh bien, à un moment donné, il a simplement, quand il a un modèle donc satisfiable, quand il fait son matching grant, donc sa création d'instance, il appelle simplement un algorithme de filtrage. Un algorithme de filtrage ici est particulièrement simple. Vous avez une base de termes clos. Vous avez en face de vous un ensemble de patterns. Donc c'est, voilà, on peut imaginer par exemple du filtrage à l'AML si vous voulez. Et donc le but de cet algorithme de filtrage, c'est de produire, étant donné une base de termes, un motif de produire toutes les substitutions hein, qui permettent de faire en sorte que le terme soit égal à l'application de sa substitution sur le motif. Donc c'est chercher toutes les substitutions qui rendent l'égalité terme égale sigma de P. Voilà, donc on appelle cet algorithme de filtrage à chaque tour d'instanciation. Alors, mais le filtrage tel qu'il est là, il est quand même assez limité. Par exemple, si vous prenez cette petite axiome ici, axe, et que vous dites, donc cet axiome dit que P de F de X implique R de X, pour donc P et R des prédicats, et F une fonction sur les entiers. Et vous dites que le motif, c'est P de F de X, qui veut dire essentiellement que vous allez utiliser cette implication de gauche à droite. Et supposons que vous vouliez prouver le but suivant. P de A, et A égale F de 2 implique R de 2. Là, vous avez un problème. Le motif étant P de F de X, vous ne pouvez pas créer d'instance. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas dans votre contexte, un terme de la forme P de F de X. Vous avez une égalité A égale F de 2, et vous avez P de A. Vous n'avez pas P de F de 2. Vous avez cette égalité uniquement, vous avez ce terme, pardon, uniquement modulo égalité. C'est-à-dire que le SAT solver a supposé, bien sûr, P de A, il a supposé l'égalité A égale F de 2, et ensuite il veut donc montrer si non R de 2 est insatisfiable. Donc la base de termes est composée de P de A et de A et de F de 2, et vous interrogez votre algorithme de matching. Et c'est pour ça qu'en fait, pour prouver ce genre de but, avec ce genre de filtre, il est nécessaire d'étendre l'algorithme de filtrage pour qu'il fasse du filtrage modulo les égalités connues du système. Donc en fait, ça veut dire que, dit autrement, vous avez maintenant un algorithme de filtrage qui prend un ensemble d'équations un terme, un motif, et qui va chercher toutes les substitutions possibles qui font que T est égal à sigma P modulo l'ensemble d'équations supposées par le SAT, par le modèle en fait, du SAT. Donc de cette manière, grâce à cet algorithme de filtrage, donc I-filtrage, modulo égalité, vous avez l'égalité A égale F de 2 qui est bien présente dans le modèle. Ça veut dire que l'algorithme de filtrage est obligé d'interroger le modèle pour dire je veux faire le filtrage. Donc au début, qu'est-ce qu'il a sous la main ? Il lui faut un terme de la forme P de F, donc il faut d'abord un terme de la forme P de quelque chose, donc il trouve le terme P de A, donc il commence à filtrer P de A sur P de F de X, et à ce moment-là, la question qu'il se dit, c'est ah, maintenant A doit être égal à F de X, et donc il interroge le noyau, donc les procédures de décision, pour dire, est-ce que c'est vrai que A est égal à F de quelque chose ? Là, la procédure de décision dit oui, elle est A est égal à F de 2, et donc il peut continuer son filtrage. Voilà. Donc ça, vous devez absolument implémenter cet algorithme de filtrage modulo égalité, sans quoi il n'y a absolument rien qui fonctionne. La base de données, maintenant. La base de données des termes connus, en fait, c'est un peu plus subtil que juste prendre l'ensemble. Enfin, ça va être de prendre l'ensemble des termes qui apparaissent dans le modèle, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Donc, je l'ai dit, la base des termes connus, c'est juste la base des termes formés à partir des termes ou sous-termes extraits des littéraux donc, qui sont dans le modèle du SAT. Et donc, assurément, la création des instances, bien qu'elle soit restreinte par ces histoires de motifs, elle est complètement dépendante, elle a un impact direct, enfin, la base de données, de termes, a un impact direct sur ces créations d'instances. Dit autrement, plus il y a de termes connus dans la base de données,
plus il y aura d'instances. Et plus il y a de termes inutiles, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que inutile, et plus il y aura d'instances inutiles. Et si vous ne faites pas attention à ça, il n'y a aucun solver SMT qui fonctionne avec quantificateur. Alors je vais essayer d'expliquer maintenant le lien entre SAT, parce que tout se joue dans SAT, en fait, pour cette histoire de base de termes connus. Et malheureusement, il faut revenir au début, tout se joue dans la mise en CNF. Ce qui est quand même terrible, puisque SAT prend une CNF. Supposons que vous ayez donc une formule A ou B et C. Assurément, cette formule n'est pas en CNF. Il va donc falloir la traduire. Alors, avant de la traduire en CNF, je pense que Gérard vous montrait ça la semaine dernière, on a reparlé là, on est d'accord sur une chose déjà, c'est que si A est supposé vrai, supposons que le SAT solver, à un moment donné, a dit « Oh, mais A doit être vrai », d'une certaine manière, on se fiche complètement de B et C. D'accord ? Mais c'est bien quand on se fiche. Si on se fiche de B et C, ça veut dire que les termes de B et C, si on ne les met pas dans le modèle, ne seront pas dans la base de données, donc ils ne seront pas utilisés pour le filtrage. Alors, on pourrait dire, oui, faisons un truc malin, qui est que quand j'ai un A ou quelque chose, si je suppose A, je ne vais pas regarder ce qu'il y a à droite. Oui, mais ça ne marche pas avec la mise en CNF à la Tsetin, comme Gérard a présenté la semaine dernière. Pourquoi ? Bah parce que Tsetin, la première chose qu'on fait, et on le fait en amont, on prend cette formule-là et on la transforme en A ou X, et X équivalent à B et C, hein, avec les clauses qui codent X équivalent à B et C. Et donc, c'est deux choses radicales, enfin, c'est deux choses différentes. Vous avez ici une clause et ici une autre clause. Et même si vous aviez un mécanisme qui, lorsqu'il suppose A dans cette clause, ignore X, de toute façon, le SAT solver va encore devoir considérer cette clause-là. Et donc, il va devoir donner une valeur à X. Mais que X soit vrai ou pas, que X soit supposé vrai ou faux, si X est supposé vrai, il faudra supposer quelque chose sur B et C, s'il est supposé faux, il faudra supposer quelque chose sur B et C. Donc, au final, cette mise en CNF de Tsetin a un désavantage énorme, c'est qu'elle obscurcit complètement le problème de départ. En fait, on casse complètement, si vous voulez, cette formule en deux mondes complètement différents. Et quand on donne ça au SAT, bah le SAT, alors en plus, comme l'a rappelé Gérard tout à l'heure, le SAT, de toute façon, essaie de trouver un modèle maximal. Mais même si on essaie de trouver des modèles des techniques pour que le modèle ne soit pas total, on est quand même très, très embêté par essayer de bloquer ce SAT solver pour que, bon sang, si A est vrai, je ne veux pas voir B et C dans mon problème. Mais si vous ne savez pas faire ça, ça ne marche pas. Ça a été identifié assez tôt, ces problèmes-là, donc ce n'est pas que dans AlterGo, ça ne marche pas en général. Et donc ça demande différentes techniques pour manipuler, pour étendre, pour modifier un SAT solver, aussi efficace soit-il, pour résoudre ce problème. Donc, alors dans AlterGo, on a une technique qu'on appelle une mise en CNF paresseuse. Alors, je vais passer un peu les détails, mais enfin, les détails sont quand même croustillants parce que c'est lié à une technique de hash consigne, donc je ne parlerai pas. Mais d'une manière assez abstraite, l'idée est la suivante. C'est qu'il nous faut un SAT solver, en fait, qui soit couplé. C'est-à-dire qu'il doit être couplé à un algorithme de mise en CNF. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre en CNF et l'envoyer au SAT solver. Il faut que les deux soient couplés. Il faut que les deux soient couplés parce que c'est le SAT qui va demander la mise en CNF. C'est quand il en a besoin qu'on va introduire les CNF. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que l'on va donner à AlterGo, par exemple, c'est qu'au lieu de donner cette formule A ou B et C, on va véritablement lui donner A ou X. Qu'est-ce que X ? Bah, le solver SAT va être au courant que c'est un littéral particulier qui est un proxy. Alors, c'est là où je parlais de hash consigne tout à l'heure, parce qu'en fait, bien sûr, les formules, on essaie de gagner de la mémoire, elles sont hash consées pour avoir le partage maximal dans le système, pour organiser la mémoire. Et moralement, ce x-là, c'est une valeur qu'il va falloir ouvrir, comme toute valeur de hash consigne. On ouvre la valeur pour découvrir ce qu'elle est. C'est un pointeur, si vous voulez, vers une structure de données. En tout cas, on n'ouvre rien. La formule, c'est juste a ou x, et c'est tout. Là, par contre, notre SAT solver, il fait ce que ne font pas tous les autres SAT solvers, c'est-à-dire que quand il va supposer A, il ne va pas aller regarder X. Ça, c'est une première chose. Et ce qui est rigolo, c'est que si il doit supposer X à vrai, c'est uniquement lorsqu'il ouvre cette valeur, quand il la suppose positivement ou négativement, mais quand il l'ajoute dans son modèle, que un proxy vient d'être ajouté dans le modèle, donc j'ouvre le proxy. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que le proxy il s'ouvre exactement avec ce qu'il faut. C'est-à-dire que si vous supposez X à vrai, le proxy ne va pas vous donner la clause X équivalent à B et C, il va directement vous donner B et C. Et si X est supposé négativement, il va directement vous donner la clause non B ou C. D'accord ? Voilà.
Donc de cette manière, on maîtrise complètement la base de données. En tout cas, c'est une technique pour la maîtriser et ça change pas mal les choses. Je poursuis sur le polymorphisme maintenant. Je dis un mot rapidement. AlterGo, c'est encore le seul à avoir un langage d'entrée polymorphe. C'est-à-dire que quand on écrit un programme en AlterGo, c'est un peu comme en Camel. C'est-à-dire que vous avez le droit d'écrire des types polymorphes avec des alphas, des symboles de fonction du type cons, ici c'est alpha, croix, alpha list, slash alpha list. Aide, c'est alpha list, slash alpha. Et dans les axiomes, vous avez également d'utiliser des variables de type. C'est un polymorphisme prenex à l'AML. Alors, ça, c'est les concepteurs des outils comme Y3 ou maintenant Daphne chez Microsoft. Les gens ont besoin, quand ils décrivent un modèle mémoire pour le C, par exemple, le modèle, il est polymorphe à plein des égards parce que, d'un point de vue logique, on a besoin de manipuler un ensemble. Un ensemble de quoi ? Bah, tantôt, c'est un ensemble d'entiers, tantôt, c'est un ensemble d'autre chose. Donc, on a envie de parler d'un alpha set, etc. etc. Donc, le besoin du polymorphisme ne vient pas du solver SMT, il vient des utilisateurs du solver SMT. Donc, nous, on a mis de manière built-in ce polymorphisme dans AlterGo. Alors, du coup, on pourrait se dire, OK, mais les autres n'ont pas de polymorphisme. Donc, comment faire pour traiter des formules polymorphes ? Bah, une façon, je crois, assez immédiate, c'est de se dire, bah, il suffit de monomorphiser ce problème. D'accord ? C'est-à-dire, là, il y avait des types polymorphes, il y avait des axiomes polymorphes, bah, il suffit de trouver les bonnes instances pour prouver le but. Donc voilà, but du jeu, vous voulez envoyer ça vers des solvers SMT qui n'ont pas de polymorphisme, trouvez les bonnes instances de type et les instances d'axiomes. Exemple, ça c'est la théorie des tableaux, comme Gérard l'a montré tout à l'heure avec select et store, read et write, peu importe, en tout cas c'est des tableaux du alpha-bêta. Et sans rentrer trop dans les détails, vous voulez par exemple prouver que pour toute matrice, donc tableau de tableau qui a cette tête-là, pour tout tableau R de ce type-là, alors cette formule est vraie. Bah, quand on regarde cette formule, on se dit, ok, je vois qu'on parle de int, 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 array, on parle de ça. Bon, je vais prendre ces deux instances de type, je vais donc prendre, je vais dupliquer, je vais prendre les instances de ces axiomes pour ces deux types, et puis je vais envoyer ça avec un solver SMT qui n'a pas de polymorphisme. Alors, évidemment, cette technique, on peut imaginer immédiatement qu'elle a un gros désavantage, c'est qu'elle peut faire exploser la taille du fichier. Si vous avez des types avec 5 ou 6 paramètres et que vous avez plein de types, vous allez croiser tout ça, ça explose, on l'a déjà fait, vous imaginez bien. Mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un problème qui n'est pas décidable. C'est un très très joli résultat de François Bobo et André Paskevitch en 2011. C'est qu'en fait, eh bien, on ne peut pas statiquement trouver ces instances. Je pourrais rentrer peut-être après dans les détails un tout petit peu, mais c'est indécidable. Donc voilà, il faut faire avec. Alors il y a d'autres techniques d'encodage, où on essaye d'encoder la logique polymorphe dans la logique non polymorphe. Ces encodages sont très difficiles à faire, c'est des morceaux de code extrêmement fragiles. On l'a fait, parce que dans Y3, il faut quand même envoyer ça à des solvers SMT qui n'ont pas de polymorphisme. La monomorphisation, on l'utilise un peu, on sait que c'est fortement incomplet, mais on l'utilise, on n'arrive pas à trouver les bonnes instances. On fait aussi une espèce d'encodage qui obscurcit beaucoup les choses, qui complique le calcul des motifs sur les axiomes, etc. Ça ne nous a pas pris longtemps. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment pas dur, en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens le font pas, parce que c'est pas dur d'introduire du polymorphisme dans un solver SMT. Essentiellement, bon, vous imaginez que vous avez à modifier votre front-end pour vérifier les types, mais surtout, il suffit juste d'étendre l'algorithme de filtrage pour que, quand vous avez un motif, le motif doit couvrir les variables de type et les variables de terme, et quand vous matchez un terme, vous avez juste à renvoyer deux types de substitution, la substitution sur les variables de terme et la substitution sur les variables de type. Et c'est tout. Le reste du solver est inchangé. Donc, nous, on a fait ça, et donc les formules sont effectivement plus simples à gérer, probablement. Alors, sur les symboles AC, j'ai juste un transparent. Sachez simplement qu'effectivement, ces symboles AC, c'est un peu le cauchemar, la démonstration automatique, parce que si vous avez deux axiomes qui parlent des propriétés AC d'un symbole, ici comme U, par exemple, trouver les bonnes instances de ces axiomes quand vous avez une preuve à faire, c'est infernal. Mais il y a des techniques de réécriture très connues depuis très longtemps, comme la complétion clause modulo AC, qui est une technique qui permet de prendre deux termes sans variables et de savoir s'ils sont égaux modulo AC. Et bien, ce que l'on a fait, c'est qu'essentiellement, on a pris notre algorithme de Shostak et on l'a étendu avec la complétion clause modulo AC. Et donc, on combine la complétion clause modulo AC avec les théories de Shostak. Parce que dans la vie, bien sûr, vous avez des symboles AC, comme ici U, et vous avez de l'arithmétique, et vous avez éventuellement des symboles non interprétés. Alors, j'en dis pas plus, mais il suffit dans AlterGo, quand vous utilisez un symbole AC, vous dites juste que U, le symbole logique, vous dites que vous déclarez AC avant. Et c'est tout.
Et après, il gère, enfin, il essaye de faire de son mieux. Alors, pour résumer, je voudrais dire deux, trois petites choses sur AlterGo. D'abord que c'est un solver qui est écrit de manière purement fonctionnelle en OCaml. Alors, du coup, comme il est écrit de manière purement fonctionnelle dans OCaml, il n'y a pas un trait... Il n'y avait pas de trait impératif, il y en a peut-être un petit peu. Mais en tout cas, on a des versions purement fonctionnelles. Donc du coup, l'idée naturelle, c'est de certifier ça en coq, puisque c'est purement fonctionnel. Donc ça a été fait dans la thèse de Stéphane Lécuyer, qui a repris un noyau d'AlterGo et qui a prouvé l'intégralité d'AlterGo en coq. Et donc vous avez une tactique qui est disponible depuis la version 8, je crois, de coq, tactique ergo. Et donc, parmi les donc, on a plein de théories, bien sûr, dans AlterGo, la théorie des tableaux, on a plein de choses. Mais ce qui fait la particularité de ce solver, c'est donc, on est encore probablement le dernier à utiliser cette combinaison de Shostak. On a cette mise en scène F paresseuse dont j'ai parlé pour la base des termes connus. On a cette logique polymorphe, on a ce traitement des symboles AC. Ça, c'est la vision un peu plus globale du démonstrateur. On a toujours ce SAT, on a toujours ce matching. Et puis, bon, bah là, j'ai étendu un peu la boîte procédure de décision. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça, sachez que c'est donc l'algorithme de Shostak avec la complétion close, hein, les deux combinés. Ça, c'est une structure unified, donc Shostak, c'est une structure unified modulo une théorie. Voilà, donc on a la combinaison des solvers et des canoniseurs dans cette boîte. Et puis, dans la vie, il n'y a pas que l'égalité, il y a aussi tous les autres symboles. Par exemple, vous voulez traiter inférieur ou égal. Donc là, c'est simplex, c'est Fourier-Modskine. Et donc, on a une combinaison de procédures de décision pour les prédicats, essentiellement, qui ne sont pas l'égalité, qui est faite à la Nelson Open, à la technique que Gérard a montrée tout à l'heure. Et donc là, on retrouve des types énumérés, des enregistrements, on a des tableaux, et on a aussi toute une grosse boîte sur l'arithmétique, avec l'arithmétique d'intervalle, l'arithmétique non linéaire, etc. Voilà. Bon, je vais passer rapidement, mais ça, c'est la chronologie. On a démarré en 2006, on est en 2016, et il y a eu un événement important, c'est qu'à partir de 2013, AlterGo a été repris, en tout cas repris, on a fait un transfert industriel vers la société OCaml Pro, qui maintenant se charge du développement, en partenariat bien sûr avec moi, avec l'ELERI, mais se charge de développer, valoriser cet outil à des fins industrielles. Et c'est à partir de là aussi on s'est vraiment intéressé à faire des choses encore plus efficaces que ce qu'on faisait avant. Donc je passe ces détails. Dans la pratique, alors on a quelques cas d'utilisation, donc... On a à travers l'outil Y3, on utilise AlterGo. On a aussi un modèle Shaker qui est fait également dans l'équipe qui utilise AlterGo. Spark, les outils de preuve de programme ADA faits par la société AdaCore, proposent leurs produits avec AlterGo. Framasil, bien sûr, le CEA propose également AlterGo dans ses packages. Et on a des gens, alors on a la méthode B maintenant, l'atelier B qui utilise AlterGo et EasyCrypt, des outils sur la crypto. Alors, juste pour quand même, voilà, montrer que tout ça, ça marche à peu près. Donc, on a fait récemment, on a lancé il n'y a pas longtemps un bench assez important. Donc, ici, on a des preuves, enfin des formules. Ici, on a à peu près, quand on fait la somme, 40 000 à peu près formules, donc, qui viennent soit de l'atelier B, avec des exemples industriels qui ont été fournis par la société Clearcy. Ici, on a toute la galerie de programmes Y3, il y en a un grand nombre. Et puis ici, un bench donc, de Spark 2014, la preuve programme ADA, bench industriel. Et on a regardé ça avec les dernières versions de Z3 ou de CVC4, et ça, c'est la dernière version d'AlterGo réalisée. Et on s'aperçoit qu'on est pas mal. Alors, on est pas mal, ça veut dire qu'on prouve plus que les autres. Donc là, ici, on a un timeout de 60 secondes par but à prouver, et on a, je ne sais plus combien de mémoire, mais un nombre de mémoire assez important. On prouve plus, on prouve un peu moins vite. D'accord. Ça veut dire que des fois, on utilise aussi un petit peu plus notre temps pour chercher, des fois abandonne. Mais bon, globalement, c'est un solver purement fonctionnel en OCaml. Je pense qu'on n'aurait jamais parié qu'on aurait eu ces temps-là. Ça, c'est fait, bien sûr, en C++ dans les deux cas. Et enfin, j'ai dit que j'allais en dire un mot tout à l'heure. Donc, AlterGo a été qualifié au sens de la norme industrielle DO178C, donc, qui permet d'introduire les méthodes formelles dans la bionique. Et donc, en particulier, il a été proposé à la qualification par Airbus Industrie dans le cadre de son projet A350. Donc, en fait, Airbus utilise directement AlterGo maintenant en back-end de KVA. Donc, KVA, qui est un ancien outil du CEOP fait pour la preuve C. Donc, bientôt, je pense qu'ils passeront à Framasy. Mais voilà, donc, ils utilisent directement AlterGo pour faire de la preuve de programme. Il y a eu plein de contributeurs.
sur Altergo. Alors, les contributeurs à différents niveaux, ceux qui ont vraiment, vraiment été impliqués dans le code, c'est Mohamed Guernalla qui a fait sa thèse avec moi. Il a fait sa thèse sur les symboles AC, sur la partie SAT, enfin voilà. Et depuis, bien sûr, qu'il est maintenant chez OCaml Pro, il y a énormément de choses qui sont faites sur Altergo par Mohamed. On a eu également Alain Mepsou, qui est à l'Université d'Iowa, donc là où on fait CVC4. Hein, il est dans l'équipe de CVC4 aujourd'hui en tant que postdoc. Il a été 2 ans en tant qu'ingénieur chez nous. 3 ans de thèse ensuite avec moi, et donc il a énormément développé sur Altergo des tas de choses dedans. Stéphane Lécuy qui a fait sa thèse sur la certification coq, enfin la preuve en coq, la refonte d'Altergo en coq. Claire qui a travaillé sur les triggers, qui est maintenant chez Adacor. Denis Cousineau en postdoc, qui est maintenant chez Proven Run. Donc vous pouvez regarder que tous les gens qui ont travaillé sont quand même dans des endroits où on fait un peu de preuves. Voilà, donc il y a eu Cody qui s'est intéressé à tout ce qui est flottant. Donc une des grosses tâches aujourd'hui, c'est de travailler sur les flottants. Donc je remercie bien sûr tous ces contributeurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir visiter le site d'Altergo, donc hébergé par OCaml Pro. Voilà, merci.